Bonjour Magali, tu fais l'atelier? Christiane, tu fais l'atelier? Bonjour tout le monde. Ah, Christiane, elle est de ma génération, hein. Elle sait ce que c'est que les raideurs. Hein. Ça t'a rappelé des souvenirs? Se trouve plus dans les magasins. Alors, on va les fabriquer. L'atelier qui n'est pas sur mon code, non? Ouvrir. Alors, sur le groupe Challenge. C'est quoi le code du groupe Challenge? 706, 750, 87, 87, je crois. Ouais, il me semble. C'est ça. Voilà. Ok, allez, on prépare les ingrédients. On va d'abord faire la pâte. Non, d'abord, mettez le chocolat à fondre. Oh, vu, ta caméra, elle saute. Ah, j'allais dire, pourquoi on ne te voit pas? Bah, tout simplement parce que la caméra, elle saute. Allez, vas-y, pose ta question, Jules. Moi, je peux faire un mélange d'huile de coco avec de l'huile de noix et de l'huile d'olive. Parce que tu n'as pas assez, tu n'as pas 6 cuillères à soupe? Oui, je n'ai pas assez. D'accord. L'huile de coco, huile de noix, oui. Huile d'olive, tes raideurs, ils vont avoir un goût d'apéritif. Alors, je ne suis pas sûre qu'avec le chocolat. Est-ce que tu as assez d'huile de noix et d'huile de coco? Il faut que 6 cuillères à soupe, hein, ce n'est pas énorme. Alors déjà on prépare le chocolat, les 200 grammes dans la casserole à fondre. Première étape. J'ai mis mon huile au soleil, elle a disparu. Alors moi j'avais fait fondre au soleil mon chocolat et mon huile. Seulement ils ont trouvé que l'huile au soleil c'était bizarre, donc ils l'ont rangée. Elle n'est pas fondue. L'huile, tu la mélanges au chocolat ou pas? Oui, tu mets l'équivalent d'une ou deux cuillères. Une cuillère, ça suffit. Une cuillère d'huile de coco dans le chocolat. Voilà. Il finit pratiquement quand on va le mettre sur le raider. D'accord? Après, on prend un robot dans lequel on va mettre des flocons d'avoine ou autre chose. Là, moi, regardez, j'ai mis... alors, ah, Sabrina nous a rejoint. Coucou, Sabrina. Bonjour. Ça va? Ça peut aller mieux, mais on fait aller. D'accord, mais tu cuisines pas encore aujourd'hui? Je tiens pas debout après mes deux opérations dures. D'accord, donc tu te sers juste de l'atelier cooking pour une télé distractive. Bah, pour dire que je suis encore avec vous. C'est gentil. Toujours, c'est bah, écoutez, la bienvenue. Alors, prends soin de toi. Sandrine, merci. Bonsoir. Bonjour, 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 bien plein jour. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tu as les ingrédients, Sandrine, ou tu veux que je les remette dans la... Ah, si tu peux le mettre dans la... Dans le chat. Ouais, c'est top, super. Voilà, donc première chose, on met le chocolat à fondre. Ah, et Thérèse qui nous a rejoint aussi. Juste une question, je n'ai pas 200 grammes de chocolat, donc j'ai que 150 grammes. Je peux compléter avec du cacao en poudre? Oui, 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 bien sûr. Même tu peux compléter avec de la formule 1. Et au lieu de mettre une seule cuillère à soupe d'huile, tu en mets deux. D'huile de coco. Donc, je mets 50 grammes de formule 1 chocolat. Là. Voilà. Vas-y, Thérèse, je t'écoute. Oh, moi, j'ai mon chocolat qui fond, c'est bon. Super. Bon, alors pendant que le chocolat fond, donc Virginie aussi, je suppose que ton chocolat est fondu. Oui. Ah, il fond. Je ne l'avais pas fait le chocolat. D'accord. Ok, super. Et vous le sortez du feu après pour qu'il, vous voyez, qu'il soit sirupeux.
mais qui sèche rapidement en fait sur nos raidaires. Je vais dire ça à tour de bras. Maintenant que c'est plus un truc commercialisé, je peux. qu'est-ce que je voulais dire? Donc, une fois que vous avez fait votre chocolat... Alors, on mixe les flocons d'avoine avec quoi? Alors, 200 g de flocons d'avoine avec 3 cuillères à soupe d'huile fondue et 4 cuillères à soupe de sirop d'agave ou ce que tu as. Alors... Donc ici, dans le robot. Jules, dans les roues, tu as fait ton chocolat? Camille, d'accord, super. Donc, tu attaques les biscuits? Ok. Donc, pour les biscuits, on met les flocons. Alors, moi, ce n'est pas que de l'avoine, hein, c'est quinoa, enfin, c'est plein de mélanges. Justine? Oui, Jules? Mais moi, j'ai déjà mouliné le... T'es un chef? L'avoine. T'es un chef. Alors, regardez comment je fais les autres. Flocons d'avoine, cuillère à soupe d'huile de coco. Ah. Une cuillère? Trois cuillères. Trois. Oui. Mon chocolat est fondu. Cuillère d'huile fondue. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Un petit peu de sel pour que ce soit un peu plus addictif. Donc ça, c'est facultatif dans le cadre de la perte de poids. Parce qu'au lieu d'en manger deux, vous allez en manger quatre. Et le sirop de coco ou d'érable ou de ce que vous avez, 3 à 4 cuillères selon le bec à sucre que vous avez. Ah, j'ai rien de tout ça, moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme sucrant? J'ai que du sucrant, j'ai pas pu aller acheter. T'as que du sucrant en poudre? Ouais. Alors, oui. Tu vas te faire comme un thé, tu vas te faire chauffer de l'eau, tu vas mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre dans une tasse et tu vas mettre un tout petit peu d'eau chaude dessus et tu vas essayer de le diluer pour que ce soit le plus liquide possible, mais il ne faut pas non plus que ce soit un thé, d'accord? Pour que ce soit quand même sirupeux. Une fois qu'on a tout mis dans le robot, je suis désolée, les filles, elles sont pipelettes sur les groupes Telegram, ça n'arrête pas de sonner. Ah bah si. C'est même pas vrai, on parle plus. Bah ouais, mais j'ai pas que votre groupe, je vous l'ai dit, j'ai 6 groupes Telegram. Ah, bah ouais. Et voilà. Et donc, on mixe. Attends. C'est la première fois qu'on a fallu. Oui. Au fait, Candice, t'as vu que je m'étais pas trompée, hein? Oui. Je t'ai appelée Candice. Il y a une Candice? Oui, il y a une Candice, c'est la chérie de Sylvain. Ah. Voilà, la maman de Camille et Martin. Ah oui. Parce que moi, c'est ma fille qui s'appelle Candice. Ouais, et moi, maintenant, j'ai retenu que Candice s'appelait Candice et pas Gladys. Parce que j'ai une cliente qui s'appelle Candicia. Ah oui. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à retenir le prénom. Et donc, maintenant, je pense à Candice pour me rappeler de son prénom. Mais je fais mes bords. Allez, 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Allez, les fondus, ça y est. Vous avez fait le biscuit.
Vous, non, vous avez fait la pâte, eh bien, vous venez tasser votre biscuit dans un moule. Ah oui, j'ai oublié le papier. Le mieux, c'est de mettre du papier en dessous quand même. Hop là. Alors, ouais, si je vais refaire et je vais faire avec du papier. Parce que sinon, après, pour les découper, c'est galère. Alors, dans un temps, disparaît parce que je me lave les mains du papier. C'est où qu'on met la vanille? C'est où qu'on met la vanille? Dans le caramel. Dans le caromel. Le caramel, c'est... le caramel, c'est pas un vrai caramel. Hein. Ce sera la purée d'amande ou de... Ah oui, ça y est. Ça y est, t'as compris, Sophia? Ça y est, ça y est. Oui. Pourquoi tu mets du papier sécurisé? Parce que ça colle pas. Quand tu découpes tes rayures, eh ben, c'est mieux. D'accord. Tu peux les découper pour pouvoir faire des bandes et puis mettre dans ton... Comment ça s'appelle là, dans ton... Ouais. Pour les tremper dans le chocolat. Ah, attends, tu l'as. Ah oui. Ah oui. C'est Alexis ou c'est Camille qui est enjouée? C'est Alexis kiffe faire les gâteaux. Camille, elle s'amuse à dérouler tout le rouleau de papier. D'accord. Oh, elle va avoir du boulot alors, hein, parce qu'elle va pas rouler maintenant. J'ai une question, Christine. Vas-y, Sandrine. La formule en chocolat, tu la mélanges au chocolat fondu ou tu la mélanges au biscuit? Au chocolat fondu. Ah, d'accord. Et tu mets bien en bain-marie pour que la F1 elle fonde et qu'elle s'amalgame bien au reste du chocolat fondu. Alors. Tout l'art du biscuit, c'est que ce n'est pas un biscuit parce que c'est une recette crue, déjà. Et biscuit, ça veut dire cuit deux fois. Donc là, ce ne sera pas le gars. Cas, le gars. tout l'art, c'est de tasser comme il faut votre préparation. Alors, soit à la main, comme ça, on peut en manger, soit au rouleau. Voilà, parce que si c'est bien tassé quand ça va dans le frigo, eh ben vous pourrez découper vos bâtonnets plus facilement. Et avant de mettre au frigo, on va faire le caromel. Il faut que ce soit tassé avant d'aller, avant qu'on mette le caromel dessus, hein, c'est mieux. Alors, un truc de chef, pour pas que ça s'étale trop, vous faites vos angles avec le papier sulfu et vous tassez par-dessus. Oui, Jules. Mais j'ai pas de papier sulfurisé. Donc tu fais sur quoi ton gâteau? Tu le fais sur un plaque en ferraille. Sur quoi? Une plaque en ferraille. Ah, sur une plaque en fer. Et tu n'as pas de papier. Est-ce que tu as... C'est l'aluminium, non? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas aimer ce que je vais dire, mais est-ce que tu as de l'aluminium? Ou du papier? Le nôtre, là, le biscuit, il ne se tient pas, là. Il est tout poudreux, là. Ah, alors, il manque un peu d'huile. Rajoute un peu d'huile de coco au liquide. Oui.
J'ai une feuille de cuisson anti-adhérente et tu réutilisable. Ouais. Au top, comme celle-ci. Regarde. Bon, ça va alors. Mamie, elle ne se fera pas disputer sur le papier demain. Parce que si elle m'avait sorti de l'aluminium, j'aurais pas été contente. Ça va, elle est sauvée. Alors, vous mettez votre gâteau de côté au frigo le temps qu'on fasse le caramel. On prend le même blender dans lequel on va mettre les 200 g de purée. Alors, au choix, moi, c'est de la purée d'amande que je fais moi, mais ça peut être de la purée de cacahuètes, ça peut être de la purée de noisettes. Comment tu fais ta purée d'amande de toi? En broyant des amandes qui ont gonflé. Tu bois des amandes et tu mélanges avec quoi? Avec rien. Comment? Juste des amandes broyées. Voilà. C'est très long, hein. Ça me prend 1h30 à faire de la purée d'amande. Oh la merde. C'est trop long, effectivement. Au prix des pots, parce que au prix des pots, ça vaut le coup. Bon, d'accord. Ouais, parce que je pense que un pot de purée d'amande comme ça, là, de 500 grammes, ça doit coûter à peu près dans les 16 euros dans le commerce. Et donc, c'est ça, les 300 grammes, 9 euros. 9 euros, 300 grammes, oui. Je les ai poignées comme ça, et pour une heure. Et ben dans le robot là, en 1h30, parce que je veux pas que ça chauffe, donc je fais refroidir à chaque fois, pour faire 500 grammes, pour faire une purée de 500 grammes, et à mon avis il y a plus que 500 grammes, hein, ça déborde, pour faire une purée de 500 grammes, j'ai besoin de 300 grammes d'amandes. Voilà. Et comme j'ai... Comme je les paye 12,50 € le kilo bio, ben, calculer un pot de 500 grammes de purée d'amande, je dois en avoir pour aller 5 euros maxi. Je ne savais pas que ça existait. Ça existait quoi? La recette? La purée d'amande. Ah! Mais des fois, ça s'appelle beurre d'amande. Ah ouais. Ouais. Mais moi, je la cherche toujours crue. Alors, je reprends. Purée d'amande dans le blender. D'accord ? Une fois que vous avez mis la purée d'amande là, pour faire le caramel, on y ajoute un petit peu de vanille. Non, mais elles sont tellement pipelettes que ça cache même ma conversation de Zoom. De l'huile, du sucre liquide. Donc, 3 cuillères à soupe de sucre. 3 cuillères. Oh, papa, il va peut-être compenser. On va faire comme ça. 1, 2, 3. Tu as réussi à faire ton sucre liquide, Christiane? D'accord. Alors, quand vous parlez loin, des fois, j'entends pas ce que vous dites. Hein. Pardon, excuse-moi. Non, le sirop, ça y est, j'ai dit, mais j'ai voulu faire la pâte, mais la pâte est toute défaite. Ah, alors c'est qu'il manque un peu d'huile de coco, c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure. J'avais plus quoi ajouter, j'avais juste le fond. Et tu as de l'huile de colza ou de l'huile de noix ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai un ratin. Ouais. Alors, là, pour faire le caramel, une seule cuillère d'huile, ça suffit. Une seule cuillère. Et on va y ajouter le lait. Le lait végétal.
Voilà, 3 cuillères à soupe de lait végétal. Voilà, qui me restait là. Et c'est le lait végétal qui va donner le goût caramel avec les amandes et le sucre de coco. Là, si vous voulez mettre de la vanille, vous pouvez aussi en mettre un peu. Si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez mettre un peu de F1 vanille, mais un petit peu, c'est-à-dire une petite dose. Et sinon, il y a un truc qui est super bon dans le caramel comme ça, c'est le thermo-citron. La boisson thermo-citron. Une petite dose sèche de thermo-citron. C'est trop, trop bon. On va mixer, on va faire notre caramel. Alors, vous mixez lentement, mais un peu longtemps pour que vraiment tout s'amalgame l'un avec l'autre, parce que la purée d'amande, c'est un peu épais. Voilà. Et là, ça va être compliqué pour moi de ne pas y mettre les doigts parce que ça a une odeur. Je ne vous dis que ça. C'est très bon. Qui est-ce qui confirme? Alors, vous sortez le biscuit du frigo. Vous mettez votre caramel. Alors, normalement, j'y mets les doigts. Je te prête les miens si tu veux. Ah oui. Non, mais travailler à la cuillère, c'est sacré. Alors, chez moi, le caramel est plus épais que le biscuit. Après, c'est chacun son goût. Bon, moi, ça ne fait pas du biscuit. Hein. Ça ne fait pas du biscuit. L'avoir mis au frigo, ça ne fait pas comme ça. Regarde-moi, il se. Eh ben, je vois. Je viens de le mettre au frigo, mais on verra. D'accord. C'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Si, c'est parce que ce n'est pas un sirop, c'est un. Mais ça fait quoi? Ça fait des miettes ou ça fait. Ça fait pâteux. Ah oui, si, c'est ça, oui, oui. Et puis, 2 minutes au frigo et tu vas voir, ça va se. Mais le congèle peut-être plus. Tu l'as bien tassé, hein? Tu l'as bien tassé. Il est marron. T'as mis du chocolat dedans? Non, c'est la purée d'amande complète. Ah. Je vais les mains pour l'étaler. Ah, je n'aime pas le gel, on dira. Le chocolat, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, là, c'est purée d'amande, sirop d'érable et huile de coco. Huile de coco, voilà. Et le lait végétal. Ouais, le lait végétal, ouais, c'est le lait végétal qui fait l'odeur du caramel. Ouais. Le lait végétal c'est mélangé au reste. Christine, si on utilise du cacao cru, il faut mettre du beurre de cacao avec. Oui, si tu as du beurre de cacao pour l'enrobage, tu parles là. Non, pour ce que tu es en train de faire. T'as ah non, il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de chocolat dans le caramel. Parce qu'elle est complète, la mangue, elle est plus foncée. Oui. Ah d'accord. Je voyais 200 grammes de chocolat noir, je croyais que tu les avais mis. Oui, dedans. C'est pour l'enrobage, regarde, tu vois, il est là. Ok, oui. Le dosage, c'est quoi, cacao et beurre de cacao? Écoute, j'ai mis 200 grammes de cacao cru et j'ai mis une cuillère à soupe de beurre de cacao. C'est une partie. Ok. Et ça fait deux galets, quoi. Alors, si vous mouillez votre main, vous allez pouvoir l'étaler. D'accord? Le caramel. Faites en sorte que ça aille bien dans les coins.
Alors, est-ce que Virginie, elle a déjà étalé son chocolat? Non, bon, non, j'attendais. Mais en fait, oh. Moi, j'ai fait comme sur Domicile Coach, j'ai mis dans un moule à cake la pâte une demi-heure au congélo, puis après le caramel, oui. Et ça fait et une heure après au congélo. Et là, c'est au frigo, du coup, en attendant. D'accord. Et je n'ai pas encore coupé. Okay. Mais du coup, ça va être beaucoup plus épais, donc c'est un moule à cake. Ouais, tu as fait un gros raider. Ah ouais, là oui, je pense que oui, j'ai pas encore démoulé, mais oui. D'accord. Et là, moi, j'étais partie pour faire des petits bâtons, mais des doigts. Mais effectivement, peut-être que mes explications sur Domicile Coach ne sont pas assez. Madame, j'ai suivi ce que tu as écrit. Bon, je ne sais plus ce qu'il faut mettre, je suis perdue. Hein. Est-ce que Jules, Camille, vous arrivez à étaler votre caramel? Ça y est, c'est fait. Super. Et Alexis et Sophie? On est en train de lécher, nous. C'est un peu le bordel, le gâteau, il prend le caramel, enfin, tout va bien. Tu ne vas pas avoir assez de caramel, là? Non, je ne vais pas avoir assez de caramel, ouais. Je suis en train de faire un caramel. Et moi, il y en a assez. Mais moi, c'est tout petit. C'est pas gros. C'est pas long. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui avait commencé, mais je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Camille, elle déguste déjà. Oui, elle déguste. Camille, elle se régale. Bon, c'est bien. C'est l'essentiel, c'est ça. C'est que les enfants, ils se régalent. Tu lèches, Camille, tu prends pas dans la préparation. Eh ben, moi, il est pas mal. Hein. Ah, il est là aussi, notre ami Fred. Alors, attends, je te vois pas. Wow. Alors, attends, j'ai les mains beurre. Ah, moi aussi, j'en mets plein le bureau, c'est cool. Oui, mais là, je voudrais pas toucher l'ordi. Alors, quand on en est là... Et qu'on n'a pas assez de caramel, ce n'est pas grave, je vais enlever le biscuit. Je vous montre comment on fait. Le top, c'est quand même de les remettre un peu au frais. Parce que là, j'ai peur qu'ils se cassent. Mais on va tester. On va en faire au moins un. Moi, je vais les mettre au frais. On coupera après. De toute façon, j'en ai fait ce matin. C'est bien. Donc, pour la photo et vous montrer le final, c'est bon. Ouais, il faut que je le laisse au frais pour qu'il prenne. Donc, une fois que vous avez fait vos... Ah oui, vous ne voyez pas là? Mince, je découpe et puis je ne vous montre pas. Si, on voit. Si, vous voyez? Si, on voit bien. Oui, on voit. D'accord, ok. Bonjour. Et si tu vois, regarde. Regarde, tu coupes les doigts. Et ça doit prendre un peu de frigo, hein, parce que là, forcément, ça se démonte. Mais si tu fais bien prendre au frigo, ça te fait des jolis doigts. Et après, je vous montre. Donc, vous mettez votre chocolat fondu qui a un petit peu durci, vous voyez, il est sirupeux. Vous en faites un premier aller-retour pour en avoir partout. Que ça aille vraiment partout. Alors, en général, moi, je le fais sur ma grille à pâtisserie. Comme ça, je récupère le chocolat qui coule en dessous pour le refaire fondre. Voilà. Il y a quelqu'un qui discute derrière. Ça fait un bruit. Je ne suis pas sûre si c'est des questions. Et une fois que vous avez bien enrobé vos raidères de vos doigts avec tout le chocolat. Oh, c'est trop joli, il est magnifique ton chocolat, Jules. Eh bien, là ici, regardez, regarde Jules, parce que tu ne connais pas toi les raidères. Donc une fois que tu as mis du chocolat partout sur tes doigts, d'accord, tu trempes le côté de la cuillère.
C'est très technique, hein. Attention. Tu trempes le côté de la cuillère, tu viens filer ton chocolat ici et tu fais comme ça. Parce que les raidaires, ça a des petits traits sur le dessus. C'est comme les Twix. Voilà. Ben, non, oui, mais maintenant, ça s'appelle des Twix, mais c'est la même chose. Voilà. Sauf que moi, je suis. L'appellation pas... dépend de ton âge. Voilà. C'est ça. Mais moi, j'ai mangé les deux, hein, tout va bien. Moi aussi, j'ai mangé les deux. Je ne sais pas ce que je vais faire. D'accord. Donc, pour avoir les petits traits comme on fait vraiment, eh bien, il faut faire un aller-retour avec votre chocolat comme ça. Donc là, moi, je vais le remettre au frigo pour les finir tout à l'heure. Hop. Et après, tu en mets dessous ou pas? Quand tu le fais sur une grille, il y en a un peu qui boule dessous, mais sinon, non. D'accord. Choupi. Et au final, tu passes à table. Ah, vite. C'est trop bon. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est beau. Tous ces petits fils, là, vous voyez. Ouais. Non, c'est magnifique. C'est très beau. Voilà. Bon, ah, ça se casse, hein. C'est pas super, super solide, mais c'est appétissant. Tu t'allais dans la bouche, ça se cassait, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà. Vous avez vu ce que ça donne? Et alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met avec le goûter, là, pour qu'il soit équilibré? On met des pommes de terre. Ouais. Oh, croûte de préférence, s'il te plaît. Voilà. Moi aussi, je pensais que c'était des pommes de terre. C'est alors, quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des nefs, non? Oui, bravo. Bravo, ce sont des nèfles. Parce qu'il faut associer les protéines, le sucre et les céréales, donc les fibres, avec des fruits frais, même si c'est un dessert cru. Et la semaine prochaine, on va faire quoi? Des rochers. Ah oui. Waouh. La prochaine, des rochers. C'est quoi, des rochers. Vous avez jamais mangé des rochers chouchards? Oui, c'est super bon. C'est en général très sucré. Et donc, moi, je vous préfère des rochers crus chins. Des rochers crus chins. Ça vous va? Oh ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous refaudra du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande? Purée d'amande, ouais, ce serait top. Ah, ou de l'amande en poudre. Non, l'amande en poudre. Juste l'amande en poudre. Juste l'amande en poudre, ça. Voilà. Et si vous voulez faire des rochers avec au milieu une noisette, des noisettes. Ça marche? Ça marche. Merci. Super. De rien. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci. Vous voyez vos photos. Merci, Christine. Avant d'avoir tout débroyé, et Virginie, elle a déjà. Ouais, vas-y, montre. Trop bien. Et ça fait un sacré raider. Hein. Moi, je t'ai trompé. Je suis trompée. Ah, où est-ce que tu t'es trompée, Christiane? Alors, on a plein les doigts, plein le front. Attends, ça marche comme ça? Tout celle que tu vois. Il y a le chien qui attend tout son prêt. Hein. Regardez cette Virginie. Vous avez vu cette Virginie? Moi, je les ai vues. Non. J'ai plein de chocolat. Elle le partagera. Vous te léchez les doigts. Oui. Attention. Voilà. Là, un peu plus bas, un peu plus bas. Oui. Ouais. Gourmand. Oh. Il faut manger plein de couilles. Ah, ouais. Oui. Oui, vas-y, Sandrine. Il se conserve combien de temps au frais? Il se conserve au frais d'abord, je suppose. Oui, il se conserve au frais. Enfin, tu peux même les tu peux même les conserver à température ambiante parce qu'il n'y a que des produits qui sont longue conservation. Et si tu tiens 15 jours, si tu tiens
Ça, c'est même pas en rêve. Voilà, et sinon, deux doigts là sur, avec un fruit pour goûter, c'est l'idéal, 50 kilos de poids. Donc, voilà, ça fait un goûter avec… là, vous avez l'équivalent de, j'avais compté, 12 grammes de fibres pour deux raidaires et 11 grammes de protéines. C'est bien. Ouais, en ayant fait combien de raidaires, t'en as fait combien ? 9. D'accord. Donc, si on en fait 9, on a 11 grammes de fibres, non, 12 grammes de fibres et 11 grammes de protéines. Voilà. Et en calories, En calories, pour deux doigts, tu es à moins de 150. Ah ouais, ben dis donc. Et ben, dans un moule à cake, on en fait 9. Bravo. Pas de souci. Super. Nickel. Bon, eh bien, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci. À merci. Plus tard. Et merci. Puis voilà, à ce soir sur la HOM si vous voulez, ou à demain matin sur le papopier. Ok. Super. Merci beaucoup. Christiane, tu voulais que je te guide?